Bonjour à toutes et à tous, on se trouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va reprendre là où on s'est arrêté la dernière fois, c'est-à-dire après la mission de Cascade Fall, après avoir dû utiliser une arme nucléaire justement pour arrêter l'offensive russe. Et je vous laisse tout de suite avec la suite. 4 mois plus tôt. Ouais, colonel Jeremiah Sawyer. En retraite. Plus maintenant, colonel. Vous êtes rappelé au service actif. Nous avons besoin de vous en Europe. Ouais, je me demandais quand vous alliez appeler. Ivan vous cause des ennuis? Les Russes se sont montrés plus débrouillards que nous le pensions. Ils ont obtenu des gains significatifs en Allemagne et la plus grosse partie de la 6e flotte a été détruite. Ouais, j'ai entendu ça. Je dois aller en France? Correct, mon colonel. Vous prendrez la tête d'un groupe de combat composé d'unités de l'OTAN avec ordre de repousser les Russes du sud de la France. On m'avait pourtant dit que mes services n'étaient plus requis. C'est de l'histoire ancienne, colonel. Tout est pardonné. J'ai pas demandé votre putain de pardon. C'est vous qui nous avez mis dans ce pétrin, pas moi. Et maintenant, vous êtes là à vous demander quoi faire. C'est à ça qu'on arrive quand ce sont de foutus bureaucrates qui prennent toutes les décisions. Vous acceptez le commandement, colonel? Quand est-ce que je pars? La petite bande de défenseurs dépenaillés qui fuyaient l'explosion nucléaire de Cascade Falls était loin de ressembler au fier bataillon qui avait débarqué en France au début de l'automne 1989. C'était des mois avant l'invasion de Seattle et la Troisième Guerre mondiale faisait déjà rage en Europe depuis plusieurs semaines. La guerre avait commencé violemment et sans avertissement. Des pourparlers de haut niveau se déroulaient encore quand les chars russes se sont engouffrés dans la trouée de Fulda et se sont déversés en Allemagne de l'Ouest. Les diplomates avaient échoué et les armes allaient parler à leur place. La 6e flotte américaine fut détruite jusqu'au dernier navire lors du combat initial et les Russes profitèrent de leur succès pour débarquer près de Marseille. Au début, l'armée française recula, mais les renforts américains allaient mener l'offensive qui visait à renvoyer les Russes dans la Méditerranée. Nous n'avions pas encore connu le baptême du feu, nous les soldats de la nouvelle génération. Nous étions impatients. Nous avions vraiment envie de faire nos preuves. On va les contourner par la droite. Pendant que la cavalerie fera diversion. Oui, mais nous avons un problème. Capitaine Bannon au rapport. Prêt à botter des fesses, mon colonel. Vous avez une heure de retard, capitaine. Désolé, mon colonel, j'ai été retenu par cette fille au village. Vos excuses ne m'intéressent pas. Voici le lieutenant Parker, et voici le commandant Sabatier, notre officier de liaison français. La compagnie Charlie vous attend dans une ferme, juste de l'autre côté de ce petit bois. Vous pouvez même la voir d'ici. Mon colonel, je... Allez-y tout de suite. Nous partons à l'attaque dans une heure. À vos ordres. Trop empressé. Il sera mort ce soir. Nous verrons bien. Où en étions-nous, commandant? Vous avez perdu un de vos officiers? Oui, un sous-lieutenant. Il a marché sur une mine et boum! Parker peut prendre la tête de son unité. Vous voulez que votre lieutenant commande mes hommes? Il n'en est pas question! Vous doutez de la compétence de mes officiers, commandant? Oh, vous les Américains, vous croyez que vous pouvez diriger le monde comme il vous plaît? C'est pas possible! Incroyable! Nous avons une guerre à gagner, et je ferai ce qui est nécessaire pour y parvenir. Ma décision est prise. Maintenant, au travail. Sachez que la dernière phrase était normalement en français, donc j'ai en anglais et en français. Il est temps que je vous montre à quel point j'ai confiance en vous, lieutenant Parker. Pendant que le capitaine Bannon garde Ivan occupé au sud, vous allez frapper en profondeur une de leurs bases de feu, non loin du phare. Ces canons font de sacrés dégâts. Alors plus vite vous vous en occuperez, mieux ce sera. Et Parker, vous allez commander une unité de l'OTAN. Je compte sur vous pour leur montrer de quoi les officiers américains sont faits. Eagle 6 terminé. Lieutenant, par ici! Les lâches meurent comme des lâches. N'oubliez jamais ça, et vous irez loin. Ici Foxtrot 6. Mon aviation affronte l'ennemi, et mes forces terrestres seront bientôt au contact.
Donc voilà, cette dernière phrase est normalement en français. Donc je... vous avez une langue américaine. Je préfère vous le dire. Donc l'OTAN, bah, vous avez des chars allemands, il va par 2 à 4. Des chars anglais, les Schiften. Anglais, c'est ça. Anglais. Parker, nettoyez les vignes qui sont devant vous, qu'on puisse développer nos lignes de ravitaillement. Donc voilà. Alors, vous avez pu rencontrer le colonel Sabat, le capitaine colonel. Ici Bannon, oh, j'ai un contact avec l'ennemi. Parker, ramenez vos chars par ici et aidez-nous. Sabat. Contre-ordre, Parker. Bannon, vous vous débrouillerez seul. La mission de Parker consiste à détruire leur base de feu. Ce n'est pas à vous de lui donner des ordres, compris? Oui, mon colonel. Hey, je vous présente l'aire coérienne. Voilà. Parker, dégagez de mon chemin et concentrez-vous sur votre objectif. Vous avez entendu, lieutenant? Donc, une bombe à guidage laser dans ce bâtiment. Ça vous fera beaucoup la vie. Et restez en permanence en mouvement, parce que là vous venez de voir, vous venez de me prendre un obus. Le tir que je me suis pris, c'était un obus d'artillerie, donc voilà. Voilà. Donc alors, pour l'arme nucléaire, personnellement, il y en a qui ont peut-être posé cette question, l'armement français nucléaire bah, se résume à des sous-marins stratégiques qui peuvent balancer des armes nucléaires un peu partout dans le monde. Et se résume aussi, j'ai fait une petite erreur, bon, là je vous excuse, vous aurez dû prendre un char moyen de moins et à plein d'hélicoptères d'attaque. Ici Eagle 6, vous m'impressionnez par cœur. Bannon, répondez. Envoyez une section garder les vignes. Ici Bannon. Pourquoi Parker n'utilise pas ses propres unités pour ça? Négatif, Bannon. Parker va avoir besoin de toutes ses unités pour accomplir ses objectifs. Certainement. J'envoie à la troisième section. Bannon, terminé. Bon, c'est un... voilà. Bannon est prétentieux, tout ça, donc... Ici Eagle 6. Parker, nous avons appris qu'Ivan garde plusieurs véhicules de DCA capturés non loin du phare. Vous devriez essayer de les lui reprendre. Ne demandez pas un soutien d'artillerie n'importe où. Vous risqueriez de détruire les pièces de DCA, lieutenant. Voilà. Infanterie, pareil. On y va, mon commandant. On a besoin d'une frappe. L'utilité de ces troupes, ça permet en fait d'avoir de disposer de ces des légions. Ouais, je sais plus comment ils les nomment. C'est des paras. Et toute l'infanterie de autant d'ailleurs, c'est des unités françaises. Hein. Avec les beaux, avec nos chers FAMAS. Bon, alors comment on fait? Nous sommes en combat, Nous sommes en combat. À vos ordres, prêt à agir. On a terminé. Coordonnées envoyées. Vous appelez des tonnes d'infanterie comme ça. Unité éliminée. Le tir dessus. Elle est chalée. Plus vite que ça. Envoyez des renforts. Vous pouvez compter sur nous. On va en position. Voilà. Tiens ennemi. Char moyen, on le prend. J'ai de la chance. Perdu. Nous sommes en combat. On est en combat, que voulez-vous? On meurt, tiens ennemis. Para en position. Voilà. On place la marque. Direct en paré.
Vous pouvez passer par ici, vous contournerez par la Parisha. Vous pouvez compter sur nous. Ici vous permet d'éviter en fait les soucis de monter à colline. Voilà. Donc faut savoir que l'arme nucléaire que vous avez constatée, c'est une arme capable de créer pour détruire. On est en combat, que voulez-vous? Par rapport à la mission précédente, évidemment, je parle de ça. Et en France, toute la grande majorité de l'arsenal nucléaire est disposée sur le bateau de l'avion. Le bateau. Excusez-moi. La grande majorité de l'armement nucléaire est centralisée au niveau du plateau de l'Albion. Le plateau de l'Albion, c'est où pense la guerre froide. Elles vont installer nos missiles. Et depuis, c'est devenu en fait un peu notre centre de commandement. Bien évidemment, tout ne se trouve pas sur le même plateau, je vous rassure. Mais une majorité non négligeable de notre armement s'y trouve. Et là ça me permet aussi d'aboutir sur un point, la création de l'arme nucléaire, vous avez constaté, wow, c'est fait vraiment pour tuer les gens, l'arme nucléaire c'est pas fait pour autre point, c'est uniquement pour ça. Parker, soyez prudent quand vous approcherez de la colline. Ils ont placé des positions défensives en amont et sont avantagés par les hauteurs. Chef, le lieutenant ne sait pas déjà tout ça. Il est pourtant diplômé de West Point, n'est-ce pas? Je n'aime pas que mes hommes fassent de l'humour, capitaine. Occupez-vous de vos oignons, c'est compris? Oui, chef. Toutes mes excuses, chef. Gardez-les pour vous, capitaine! Faites juste votre foutu boulot! Paré à combattre. En pas de course, go! Paré à combattre, mon commandant. Nous sommes en route, mon commandant. Et pour moi, je pense que l'arme nucléaire est plus une aberration qu'autre chose, c'est vraiment un avis personnel. Je ne reproche pas le fait qu'il a été créé, voilà, l'arme nucléaire a été créée. Lieutenant, vous êtes entré dans le camp. Détruisez tous les véhicules d'artillerie en vue. Faites au plus vite, lieutenant. Mes hommes dégustent ici. Lieutenant, des unités d'infanterie russes vous tendent une embuscade dans la forêt. Balancez du napalm sur ces chiens. La Légion est au combat! Tire sur les coordonnées! Donnez vos ordres! Vite! Barrage d'artillerie nous sur cette tombée sur une bonne chance! La Légion est infanterie, choisissez une cible! Voilà! Barrage à combat! Comme j'ai fait, en fait, j'ai balancé une napalm juste derrière les trucs les chars à capturer pour éviter les endommager. Bon travail, lieutenant! Ils ne nous dérangeront plus. Je vous accorde du soutien supplémentaire. Et là, je vous présente le Flakpanzer, DCA allemand. Très efficace d'ailleurs. Vous pouvez prendre en route, mon infanterie en mouvement. Bizarre. Bon, c'est Sharga qui me bloque en fait la capture du point, c'est normal. Vu qu'il est dessus, mon commandant, avec hein. Donc voilà, le plateau de l'avion. Voilà, équipe vraiment la majorité de notre armement. Hein. Bien évidemment, c'est un peu pareil dans tous les pays. Il y a toujours un endroit où vous se concentrez vraiment armement. Voilà. Alors moi, pour l'arme nucléaire, je pense que c'est plus une aberration, mais bon, je suis pas contre le fait. Elle a été créée, je comprends tout à fait les besoins pourquoi elle a été créée. Elle a été créée lors de la Seconde Guerre mondiale pour mettre tout en conflit. Je comprends ça. Et je reproche pas le fait qu'elle a été créée. Ce que je reproche, c'est l'utilité qu'on a eue pour l'instant de l'arme nucléaire. L'arme nucléaire,
Bon, l'avantage c'est que ça sert de dissuasion, donc personne n'essaie d'appeler ces dégâts. Excellent, Parker. Je vais vous confier le commandement de certaines pièces d'artillerie. Utilisez-les selon vos besoins. On déplace le véhicule de récupération. J'attends les ordres. Infanterie en mouvement. Deux pièces. Excellent, Parker. Je vous laisse le commandement des unités de DCA. DCA sous le feu ennemi. Ici, ici. Capitaine Bannon, faites-moi votre rapport. Avez-vous atteint vos objectifs ? Pas encore. L'ennemi est plus fort que prévu. Des renforts seraient les bienvenus. Négatif. Restez sur place et gardez Ivan occupé. J'envoie Parker reprendre le village. Vous avez entendu, Parker ? Nettoyez le village et faites votre rapport. Eagle 6 terminé. Bon. N'ayez aucune pitié, lieutenant. Ces monstres n'en ont pas eu pour mon peuple. Prenez garde aux unités d'infanterie cachées dans ces maisons, Parker. Ici Foxtrot 6. Ah, ces salauds se battent bien, mais on les écrasera. Là, il va se passer maintenant un truc assez compliqué. Voilà, j'ai pas besoin de justifier, je pense, plus que ça, pour constater que l'ennemi est très très énormément retranché dans la ville. Demandons un raid sur les coordonnées, vite que ça. Et si on veut s'en neutraliser tout ça, faudra un peu nettoyer complètement cette ville, hein. Bien évidemment. Vous avez des pertes. Bien reçu, je vais sur les coordonnées. Nous sommes en combat disponible. Sortez-nous de là. Il nous faut des hommes ici, vous avez des unités jouées. Vous avez... Les hélicos de combat en fait seront utiles par la suite. Pour l'instant, c'est pas trop utile. Nous sommes tombés sur une zone chaude. Bon, tant pis. Mes hommes vous apprécient, lieutenant. Ne perdez pas leur confiance maintenant. Tant pis, j'ai pas eu ce que je voulais en fait. Pourquoi j'ai envie d'un fait d'amener les hélicos? Voilà. Commandant. Le problème, c'est que je sais qu'il reste une DCA ici. Que je n'ai pas pu justement détruire avant de lancer l'assaut. Enfin, je résiste, je suis en train de mettre le coup. Apparemment, si, j'ai tout su, donc voilà, c'est bien un bon point. Encore l'artillerie autant, que ce soit on a MRS ici, on a les gars, Le gros avantage que ce sont des artilleries qui lancent un gros pilonnage d'un coup, beaucoup de roquettes, mais avec une cadence de tir extrêmement faible, donc il suffit que vous éloignez de cette zone, c'est extrêmement facile après de complètement ignorer. A l'inverse, l'artillerie du pacte, c'est des pièces d'obusier, comme vous avez constaté, des Malka, si je ne me trompe pas. Et le gros avantage pour ces artilleries-là, pardon que je... Vous avez brisé leur défense, Parker. Foncez en attaque. Le gros avantage qu'ils ont, c'est qu'ils ont une très grande cadence de tir. Et ils tirent beaucoup plus souvent que ceux du... que ceux de l'OTAN. Mais pour des dégâts un peu réduits. Donc chacun a ses avantages, chaque partie, personnellement je préfère ceux du pacte. Bon, ça c'est le problème, c'est que ça c'est les habitudes en fait que j'ai de jouer à Wargame. Le combat urbain est une discipline risquée, lieutenant. Assurez-vous que vos flancs soient toujours protégés et respectez vos ennemis. Les respecter, chef ? Ce ne sont que des minables. Nous sommes dans un environnement mortel, capitaine. Vous comprendrez bien assez tôt. Manquez de respect aux cocos, et vous êtes morts. Vous devriez écouter votre commandant, capitaine. Oui, chef. Bannon, terminé. Continuez comme ça, et le village sera à nous dans une heure. Voilà.
Bon, ne balancez pas de napalm sur le bâtiment. Ça sert à rien. Je suis habitué en fait, en ayant joué énormément à Wargame Iron Battle, le napalm est très efficace pour tuer l'infanterie qui est embusquée. Alors que donc je là, ben, l'infanterie qui est embusquée, elle s'en fiche. Il n'en reste pas beaucoup, Parker. Finissez-les. Donc voilà. Maintenant, rapatrier leur... Non, l'artillerie, vous pouvez largement glisser sur le plateau. Artillerie va tirer ici. Et là, on va mettre un peu d'infanterie. Bon. Les Eiko, vous les ramenez, qui vous seront utiles par la suite, évidemment. Une fois que ce bâtiment va neutraliser ses réimprimés, et ici, il faut neutraliser ça. Ça, après, vous le faire sortir tranquille. Et ne craindront plus rien du tout. La DCA, vous la mettez ici. Le village est à nous. Vous avez du talent en tant que chef, Parker. Je n'appelle pas ça un combat, moi. Gardez votre avis pour vous, capitaine. On est en route, mon commandant. Bien, monsieur. Je largue la Légion sur votre position. On a terminé. Voilà. Eagle 6, ici Foxtrot 6. Mes éclaireurs signalent une contre-attaque russe sur le village. Nous sommes très occupés ici et je n'ai pas d'hommes disponibles. Compris, Foxtrot 6. Nous nous en occupons. Parker, préparez-vous à vous défendre. Vous n'avez pas beaucoup de temps. Bon, là, après plein d'unités d'infanterie, hein, évidemment, comme vous constatez, ça permettra de prendre en fait tous les points. Ici Foxtrot 6. Ils battent en retraite. Nous allons bientôt gagner. Barrage d'artillerie sur cette position. Go, go, go. En fait, les hélicos, je vous explique en quoi ils me seront utiles. Les hélicos sont extrêmement efficaces, bien évidemment. Contre les cibles au sol. Et sans ça, qu'ils me seront vraiment indispensables. Bon, par contre, les hélicos, voilà, je prends une gazelle française. Ils sont pas très efficaces contre les cibles au sol. Donc, voilà. C'est la seule faiblesse, mais bon. Commencez à courir! Faut faire avec. Et à côté de ça, nous avons nos chers chars lourds, chars moyens. Pourquoi chars moyens et non chars lourds? Pour la simple bonne raison que pour moi, les chars moyens, étonnés qui sont, vous pouvez en avoir plus, c'est plus efficace. J'attends les ordres. C'est juste arbitrairement, ouais. Eagle 6, ici Bannon. Nous avons détruit l'ennemi et sécurisé la base. Terminé. Et ce n'était pas trop tôt. Je veux que vous retourniez au phare, et que vous preniez position là-bas. Et à quoi allons-nous servir depuis là-bas? Vous allez arrêter de poser des questions à propos de tous les ordres que je vous donne, capitaine, ou je vous mute dans un autre bataillon, c'est clair? Oui, mon colonel, nous partons pour le phare. Bannon, terminé. Parker, Ivan va bientôt revenir. Je vous conseille de prendre rapidement vos positions. Eagle 6 à Foxtrot 6, faites-moi votre rapport. Ici Foxtrot 6, on tient le coup, mon colonel, mais leurs défenses anti-aériennes sont une vraie plaie. Bien compris, je vais vous envoyer des renforts. Eagle 6 terminé. Donc voilà, évitez de perdre votre artillerie. Mais bon, normalement, ils doivent vous la protéger. Ce qui pourrait vous être très utile. Bon, ça demande quand même un peu de dextérité, ce qu'il faut quand même anticiper les tirs. Donc voilà. Alors, je vais pouvoir revenir à ce que je parlais tout à l'heure. L'arme nucléaire. En soi, c'est l'idée pas... Eagle 6, ici Bannon. Que fait-on des prisonniers, chef? Qu'en pensez-vous, capitaine? On respecte la convention de Genève, mais s'ils résistent, n'hésitez pas à les descendre. J'ai été clair? Parfaitement, chef. Bannon, terminé. L'arme nucléaire, c'est pas une mauvaise idée en soi pour tout ce qui est dissuasion. Mais gros reproche que je peux faire, c'est que l'arme nucléaire... Lorsqu'elle est utilisée, pour l'instant, elle a toujours été utilisée à mauvais escient. Et je m'explique. Les deux premières armes atomiques qui ont explosé ont été balancées sur des villes civiles, dans des centres-villes, mais pas sur une armée. J'espère que vous n'avez pas perdu votre temps, lieutenant. Vous aurez besoin de défense.
Donc ce qui a été visé, c'est... Ici Foxtrot 6. Mes éclaireurs signalent que les Russes sont en route. Vous avez intérêt à être prêt, lieutenant. Ce sont mes hommes que vous commandez. Vous l'avez entendu, Parker, le village ne doit pas tomber. Bannon va vous soutenir depuis le phare. Eagle 6 terminé. Donc la reproche que je peux faire, c'est l'utilisation qu'on a eue. Vous pouvez compter sur on l'a utilisé deux fois, lorsqu'on a voulu la tester. Sur quoi? Sur deux centres-villes de villes japonaises, Nagasaki et Hiroshima. Uniquement pour gagner une guerre, pour dire on veut pas sacrifier de soldats. Si je peux me permettre, balancer une arme nucléaire sans incident, je trouve pas ça que ce soit quelque chose de normal. On a besoin d'une frappe tout de suite. Barrage d'artillerie sur cette position maintenant. On va me dire c'est la guerre. Appelez autant de renforts que vous le pouvez. C'est la guerre. Mais est-ce que pour autant, vu que c'est la guerre, est-ce que pour autant nous devons tuer des civils? Voilà. Franchement dire, doit-on tuer des civils uniquement parce que c'est la guerre? Voilà, c'est uniquement pour ça que moi personnellement je déteste cette idée d'arme atomique. Uniquement parce que à chaque fois que cette arme a été utilisée dans l'histoire, n'oubliez pas de couvrir vos a toujours été utilisée sur des civils, non pas utilisée contre une armée, contre des soldats aguerris, utilisés volontairement contre des installations civiles. Après on a beau se dire, ah voilà, c'était pour éviter la perte de soldats américains, tout ça. D'accord. Est-ce que pour autant ça justifie le meurtre de quelques milliers de civils? Milliers. Excusez-moi. Centaines de milliers, de chiffres. Voilà. Donc moi je suis quelqu'un vraiment qui est sur ce sujet là, je suis indiscutable, autant le nucléaire peut avoir... Le nucléaire en soi, il est pas... je suis pas contre, le nucléaire va en utilisation pour tout ce qui est... Électricité, voilà, il y a des fins utiles le nucléaire, je dis pas le contraire. Mais il y a des fins que je suis désolé de dire qui sont totalement injustifiées. Et ces fins injustifiées ont malheureusement été en fait prouvées par comment ont été utilisées ces armes en fait. D'ailleurs, pour la petite histoire, bon, à mon avis, ça c'est quand même quelque chose d'assez connu. Unité perdue. La personne ayant. La personne du bombardier qui a balancé la bombe sur. Sur ses villes. Elle devait. Elle finit dans un asile de fou. Du soutien d'artillerie, lieutenant. Parce qu'elle a été traumatisée justement lorsqu'elle a appris ce qu'elle a fait. Il n'a pas supporté. Et moi, question que je vais vous poser, est-ce que si je vous apprends qu'on vous dit de balancer une bombe, voilà, c'est une bombe. Au final, vous dites, voilà, c'est une bombe, c'est une bombe un peu plus grosse. Personne ne savait les répercussions, à part à peu près les chercheurs. On vous demande de balancer la bombe, vous obéissez. Vous apprenez que vous avez tué 500 000 d'hommes, et de femmes, et d'enfants. Ils devraient nous en envoyer, nom d'un chien. Mais qu'est-ce qu'on fout ici? Je pense qu'on pète un... Vous couvrez la colline, capitaine. Quittez les ondes maintenant, à moins que vous ayez un meilleur rapport à faire. Voilà. C'est uniquement pour ça, en fait, que je ne supporte pas, en fait, l'armement atomique, c'est uniquement pour l'utilisation qu'on a faite. Viser une ville, en plus on peut même pas sortir l'argument, c'était pour pas sacrifier des vies militaires, excusez-moi. Pour moi c'est pas un argument, c'est que attaquer des civils ce n'est pas la guerre, c'est un génocide. Et après sortir en argument c'était pour épargner la vie de certains hommes, moi je prends mal. Encore, là, certains vont me dire, non, c'était pas les centres-villes qui étaient visés, c'était une installation militaire. Justement, c'est pour ça aussi que j'en parle. Parce que l'arme nucléaire a été utilisée sur ces deux villes-là, Hiroshima et Nagasaki, c'est quand même assez connu ces villes. Volontairement, sur deux centres-villes, parmi les centres-villes les plus peuplés de Japon. Donc, pour moi,
Rien ne justifie d'avoir fait ça. Rien. Donc voilà. Là, je vous ai donné mon avis sur l'arme nucléaire. Après, vous pouvez dire que j'ai peut-être tort, que j'ai peut-être raison. Moi, personnellement, je ne changerai pas d'avis là-dessus. Que tout simplement, j'ai largement assez vu du ravage de ces armes. Hein. L'homme est né pour se détruire. C'est une anecdote que j'aime bien. Parce qu'au final, à chaque fois qu'on fait une innovation, c'est une innovation pour faire quoi? Pour tuer encore plus de gens. Avant d'être utilisé à des fins civiles. Le sonar, par exemple. Là, on prend tout ce qui est utilisé dans la marine, sonar, GPS, tout ça, c'est à base créé à des fins militaires. Internet était une fin militaire pour les communications. Éliminé. Voilà. Et encore et encore plein d'autres choses. Il y en a tellement. Il y en a tellement. Que je pourrais pas tous vous les citer. Et l'arme nucléaire, pour moi, c'est une des pires aberrations qui peut être créée. Ça permet de dire vous nous attaquez, on vous menace de ça. D'un côté, c'est un bon point. Je dis pas le contraire, l'arme nucléaire. Le village est sauvé par cœur. Nous sommes en bonne voie pour chasser de France les pop-off. Bien joué. Mais je reviens encore au même point, l'utilité qu'on nous a. Vous avez montré du talent, lieutenant. Et il semble que vous ayez gagné le respect de mes hommes. Bravo. Pour moi, c'est un goût amer, en fait, l'utilité qu'on a eu de cette arme nucléaire, justement. Tuer... Bah, en fait, en plus, c'était le pire. C'était pour voir les dégâts qu'occasionnait une ville. Voilà, c'est quelque chose, moi, que je veux... j'ai dû le dire plein de fois, mais je préfère le répéter. La population civile, il y a toujours des morts, malheureusement, dans la guerre, dans la population civile. Mais le fait de voir tuer volontairement des civils, j'appelle pas ça la guerre. J'appelle ça une extermination. Ce qu'ils ont fait à Hiroshima et Nagasaki, pour moi, je considère ça comme une extermination, étant donné que c'était, pour but, c'était de tuer des civils. Voilà, c'est même pas... Par exemple, vous visez une immense installation industrielle, un immense complexe industriel. Vous rasez une partie de la ville à côté, mais tous les dégâts ont été surtout concentrés sur l'installation industrielle. C'est déjà pas pareil, parce que dans ce cas, c'est des dommages plutôt collatéraux. Même si c'est... Voilà. Alors que là, visez volontairement un centre-ville, vous détruisez à plus de 80% quand même les villes. Hein. Les villes ont été détruites à plus de 80%. Vous tuez, je crois, rien que dans les, rien qu'avec la détonation, je crois que c'est plus de 200 000 personnes qui ont été tuées dans chacune de ces villes. Plus de 200 000, donc ça fait déjà beaucoup de personnes. Donc voilà. Et sans compter après tout les retombées radioactives, tout ça qu'il y a derrière, donc les morts se comptent en millions de morts. Donc, voilà. Centaines de milliers, millions. Voilà. Donc, bon. C'est pas pour autant, j'espère quand même que cette vidéo vous a plu, hein. J'ai pas le contraire. Mais j'espère quand même que vous voyez quand même tout l'enjeu qu'a l'arme atomique et toutes les répercussions que ça peut avoir. Et pour moi, je garderai toujours cette arme nucléaire. Dans cette idée que l'utilité qu'on a eue, qu'on a fait, est quelque chose de catastrophique. C'est pour ça que pour l'instant, j'ai toujours pas confiance dans cette arme-là, moi personnellement. Parce que elle est faite pour tuer les gens, c'est pour tuer des gens, et surtout les civils. Ils n'ont pas tué une armée, voilà. C'est pour ça, dans ce jeu-là, où vous voyez qu'utiliser une arme atomique sur une armée, pour moi, ça a un impact déjà moins important que si on l'utiliserait sur des civils. Voilà, c'est un avis personnel, donc voilà. Donc ainsi, la première attaque de la contre-offensive OTAN en Provence est un complet succès grâce à vos efforts et soviétiques ont été repoussés de plusieurs kilomètres. Il est temps de renforcer davantage et continuer l'attaque jusqu'à la débâcle des Russes. Nous avons grâce à ça réussi à contre-attaquer et reprendre la position. Donc on est en train de repousser les Russes de la France. La France victorieuse et qui se défend toujours contre ses envahisseurs. Si vous avez eu le badge de fantassin de combat et la médaille du courage militaire. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. D'ici la prochaine fois, portez-vous bien et vive le jeu vidéo.